Nous sommes aujourd'hui sur le stand de Groupama qui recrute au Salon Régional Formation Emploi. Quel profil recherchez-vous ? Tout d'abord, bonjour. Donc effectivement, nous recherchons essentiellement sur ce salon des commerciaux, donc pour venir dans les agences et sur le terrain. Donc on travaille par marché, marché des particuliers, marché des professionnels. Le marché des professionnels regroupe les conseillers itinérants agricoles, donc qui s'occupent essentiellement du marché agricole et de notre clientèle agricole, puisqu'on est fortement représenté sur ce marché, surtout sur les deux départements alsaciens. Donc la caisse régionale aujourd'hui, c'est Grand Est, donc on est sur 12 départements. Et on recrute également des conseillers itinérants sur le marché des professionnels, donc qui s'occupent de notre clientèle artisans, commerçants et professions libérales. On recherche un profil de préférence ayant déjà travaillé dans l'assurance et dans la banque, puisque bon, vous nous avez présenté, c'est vrai, Groupama Assurance, mais aujourd'hui c'est Assurance Banque. Et donc ça peut être quelqu'un qui a déjà travaillé, comme je viens de le dire, dans la banque, dans l'assurance, mais aussi des gens qui n'ont pas forcément d'expérience dans ce domaine, puisqu'on peut leur apporter toute la formation au départ, mais surtout des gens qui ont travaillé déjà dans le commercial et qui ont le goût du commerce, du contact, et voilà. Ça, c'est important pour nous. Est-ce que vous êtes aussi à la recherche d'apprentis ? Alors, on a déjà expérimenté les BTS. Pour l'instant, cette année, on a un peu suspendu. On sait pas, on va peut-être le reprendre dans les années prochaines, mais pour l'instant, non, on travaille, on ne recherche pas de BTS pour l'instant. C'est plutôt des contrats en CDI, en CDD ? Alors, en principe, on part toujours sur des contrats à CDI. Donc bien sûr, il y a les périodes d'essai. Comme je disais, donc on forme entièrement nos futurs collaborateurs. C'est sur une période de 6 à 8 mois, avec des périodes théoriques et des périodes terrain. Donc vous avez un centre de formation interne ? Alors, on a un centre de formation interne, tout à fait, donc qui se situe sur Dijon et sur Scheltigheim, à Bischheim, plus exactement. Voilà. Aujourd'hui, vous recrutez. Quelle est votre stratégie de développement ? Alors notre stratégie de développement, c'est vrai qu'aujourd'hui la concurrence est très présente, il y a les nouveaux canaux de distribution. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, on veut faire la différence, donc on veut être très proche de nos collaborateurs et puis vraiment faire notre rôle de conseiller, c'est-à-dire d'apprendre à les connaître et de leur proposer des produits qui correspondent à leurs besoins. Et donc pour ça, on se doit d'avoir une force commerciale très, très présente. Donc on renforce nos équipes aujourd'hui sur le terrain, donc aussi bien sur le marché des particuliers que sur les marchés des professionnels, pour qu'on soit de plus en plus présent et puis qu'on contacte au moins une fois par an nos assurés, même s'ils n'ont pas de besoins spécifiques, mais juste pour leur demander si tout va bien, s'ils ont des projets, pour les accompagner tout au long de leur vie. Pour nous, c'est important. Vous misez donc sur le conseil personnalisé ? Tout à fait, oui, c'est exactement ça. On mise sur le conseil personnalisé parce qu'on part du principe que le prospect ou le client qui fait l'effort de venir dans une agence, de se déplacer, il recherche une relation totalement différente, une relation de confiance, que simplement d'aller sur Internet et de souscrire en ligne. Donc il faut vraiment qu'on apporte un service supplémentaire.